Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kazuka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. On se retrouve aujourd'hui pour Lego Marvel's Avengers. On va rapidement aller dans les options parce que je ne suis pas sûr voilà, qu'elle soit bonne. En effet, principalement la taille de l'écran, c'est ce qui me semblait. tac, ok, je fais vite fait ça avec vous. Et non pas pour bien longtemps, vous inquiétez pas, voilà. Tac, et voilà, c'est quand même mieux. Comment ça? Ok, nickel. Ah, il y a un mode sans bordure, alors attendez, on va l'activer, parce que là, les bordures m'énervent un petit peu. Je peux pas? Ah, bon, bah tant pis, on aura les bordures, alors. Tant pis, au niveau de ça, on est bon? Ouais, on est bon partout. À part le flou de mouvement, tu me l'enlèves, s'il te plaît? Merci bien. Ok, la musique elle est forte, elle est très forte. On peut pas régler le son. Bon bah on va la laisser, c'est la seule fois que vous l'aurez dans ce let's play hein. Je me suis assez pris de copyright comme ça sur Life is Strange. Donc là je vous la laisse ici, peut-être dans l'épisode final, si jamais on l'aura, mais ce sera tout. Allez, on y va, nouvelle partie ensemble. Vous pouvez le voir, je l'ai jamais lancé sur PC, je l'ai déjà fait sur Xbox One à l'époque de sa sortie, donc ça fait déjà quelques petites années hein. Vous vous en doutez. Il me semble malheureusement qu'on va commencer par faire le jeu Avengers 2. Je crois, je suis pas sûr. Il y a Avengers 1 et Avengers 2 qu'on va devoir faire, si mes souvenirs sont bons. Et il me semble qu'on commence par Avengers 2. Bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est qu'on fasse les deux. J'espère que ce let's play va vous plaire autant qu'à moi. On y va. Gagnez immédiatement votre poste. Ce n'est pas un exercice. Nous sommes attaqués. Le sceptre de Loki est ici. Stryker en a besoin pour se défendre. Maria Hill à tous les Avengers. Foncez sur la forteresse. La présence de Strucker est confirmée. Arrêtez les Avengers! Eh bah, quelle première cinématique! Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur ce jeu. Je vous le dis tout de suite, hein. Lego Marvel's Avengers, c'est un jeu qui a vraiment complètement bercé mon enfance, pour le coup. J'avais déjà dit ça avec Lego Marvel Super Heroes, mais lui, c'est encore plus... Enfin, mon enfance, du coup, plutôt mon adolescence. Mais voilà, c'est un jeu que je porte très très fort dans mon cœur et que je considère très largement comme le meilleur jeu Lego. Après, je les ai pas tous faits, loin de là. J'ai pas non plus fait... Lego Marvel Super Heroes 2, qu'on fera après celui-ci. Ah oui, non, mais là, tu vas mourir. mais voilà. Donc, je vais vraiment m'éclater sur ce jeu, il faut le savoir. Allez, on y va. Comme d'habitude, on ramasse toutes les petites pièces qu'on peut trouver. Et on charge ce truc en électricité. La veuve noire peut faire ça cette année. Ça, c'est très cool, ça. Alors. Ok, ça va faire tomber le pylône. Nickel. Nickel, nickel. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être ok, j'imagine, il va falloir qu'on tire des petites flèches ou ce genre de trucs. Non? Ça, la veuve noire, si je me souviens bien, ça. Ça, pardon. Voilà, en effet, elle sort son écran. Et nous, on doit reproduire les trucs. Donc, c'est tac, 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 tac. Ok. Et cette fois-ci, c'est ok. Allez, on y va. Ouais, bon, tu peux tirer des flèches un petit peu aléatoires si tu veux. Ça va pas vraiment nous aider, mais bon, si ça peut t'amuser. Ok, beaucoup d'ennemis, ça nous fait pas vraiment peur, hein. Tac, alors, faut que je retienne que je suis en vidéo et que je suis pas là pour tout casser. C'est ma manière de jouer au jeu Lego, hein, d'habitude, d'absolument tout casser sur mon passage. Pour être sûr d'avoir le True Believer. Mais on va éviter un maximum cette fois-ci. Allez, on change, on prend Black Widow. Ah oui, ça rigole pas. Ça rigole pas.
Oh, c'est violent. Oh, c'est très violent. Mon dieu. Ok, tiens, bouffe, vous deux, là. Bam. Ça, est-ce que je peux le faire avec? Peut-être. Eh oui, je peux le faire. Nickel. Nickel, nickel. Il en reste deux. Je sais pas si je vais réussir à les avoir. Peut-être que oui, peut-être que non. Ok. Ah bah j'ai pas pu les avoir avec Aïe, ça va pas la tête. J'ai pas pu les avoir avec le canon, c'est pas grave. Je vais les avoir à la main comme ça, ok. Ensuite toi aussi tu meurs s'il te plaît. Merci beaucoup. Ok, t'as des petites mines là à péter. Tac. Allez, explose. Ah, c'est un mini kit, ok. Bon bah si on trouve les autres facilement on va les faire hein. Si ça peut nous faire un premier mini kit comme ça presque gratuit, on va pas passer à côté, ce serait stupide. Tac, 3 sur 5, nickel. Ensuite, une ici, 4. Hop, ramasse les pièces. Ok, 4 sur 5. Et ensuite. Juste ici, bon bah voilà, un petit mini kit gratuit comme ça. Ça fait toujours zizir avec un R bien roulé parce que le R ça se roule. Comme des pelles, bien évidemment. Allez, Natacha, c'est à toi. Ah bah non, c'est à vous deux. C'est à vous deux. Alors ça, oui, c'est vrai que vous allez voir, maintenant, on a des attaques en duo. Et on a également des petites phases de gameplay comme ça en duo. Ça, c'est vraiment cool. Ça ajoute un côté très cool au jeu. Allez, on est parti. Hop. On s'envole. On a perdu l'effet de surprise. Dégommez ce bunker. Ah, on a perdu l'effet de surprise, oui d'accord, on a bien failli perdre la vie même, hein, donc... Ok, bon, nous voilà avec Hulk et Iron Man. Hulk qui a un design bien plus agréable à regarder que dans Lego Marvel Super Heroes, hein, comme vous pouvez le constater. Ça va faire vraiment zizir. Allez, toi, tiens, merci. Ensuite, bah toi aussi, bam, voilà. Ça, ça n'a pas changé, ces petites attaques-là. Au moins c'est bien, cette fois-ci on choisit de faire les attaques, c'est pas comme dans Lego Marvel Super Heroes où elles arrivaient plus ou moins aléatoirement et des fois ça t'embêtait presque qu'ils les fassent quoi. Ok, ensuite donc, ah ça va être Iron Man. Tac, de détruire les petites barrières ici. C'est bien ça, dans Lego Marvel Avengers on a le rayon laser avec Iron Man dès sa première armure. Ça c'est très cool ça. Allez, on traverse le petit pont. Et on y va, on va vite faire récupérer les pièces ici, voilà. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Oula, on évite de mourir, s'il te plaît, aussi, ce serait cool. Tac, tac, tac. Voilà, mourez. Toi aussi, meurs. Merci bien. Ok, ensuite, Hulk, c'est à toi. Oh, bah avant. Allez, hop. Ça vous permet de voir ce de quoi je parlais pour les attaques en duo. Bon, bah apparemment, Iron Man n'a pas grand-chose à faire dans celle-ci, mais voilà. C'est plus ou moins ce dont je parlais. Je crois que je peux refaire une. Je vais vous montrer. On y va. Voilà, exactement. Et ça bute absolument tout le monde autour. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, arrache-nous ça, Hulk, suffisamment attendu. Tac. Bah, lance ça où tu veux. On s'en fout. Iron Man, reviens ici. Grille-nous ça, là. Ok, faut qu'on en fasse le tour. Bam, le truc à côté aussi. Ok. Donc vous pouvez voir qu'on retrouve tout de même beaucoup de mécaniques qu'on avait déjà dans le jeu précédent, hein. Évidemment. Évidemment, évidemment. On a principalement beaucoup de nouvelles mécaniques, mais on a également gardé les anciennes. Hein. Allez, on y va, on continue. Tac. Ok, alors nous voilà avec Captain et Thor. Cette fois-ci on joue Thor un petit peu plus tôt que dans le précédent jeu, hein, où on l'avait joué bien tard mine de rien. Donc comment est-ce qu'on peut casser les petites lianes? Ah bah ça se fait tout seul, c'est un ennemi qui est projeté dedans, ok. Et donc là ça va être avec Thor, avec son Mjolnir, je pense. Eh oui en effet, ok très bien. Tac. Détruis-moi tout ça vite fait. Tue les ennemis qui commencent à bien m'enquiquiner. Pour pas être vulgaire. Ok, allez, on peut presque enchaîner. Voilà, cette fois-ci on peut enchaîner. Allons-y. Hop.
Wow, 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 calme-toi. Ne tombe pas dans le vide, ça ne vaut pas la peine. Ok, faut qu'on casse ça. Toi, tiens, tu m'énerves. Merci, continue de casser les petits blocs, là. Tac, ça nous donne des pièces et c'est ce qu'il faut pour la mission. Ici. Ok, ensuite ici. Ok, ensuite ici. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut construire? Non, pas encore. Donc il faut que Captain casse les flammes. Oh oh. Bon, je voulais pas le faire, mais au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Voilà. Donc cette fois-ci, vous pouvez voir qu'avec Captain, dans ce jeu-là, on peut entièrement éteindre les flammes. On peut pas juste passer dessus comme on pouvait le faire dans Lego Marvel Super Heroes. Cette fois-ci, on peut réellement les éteindre avec un gros coup de bouclier de gitan dedans. Voilà. Ok, allez, cette fois-ci on peut construire. Je sais pas exactement ce que ça va nous construire, mais on construit tout de même. C'est quoi, c'est une sorte de tank? Une foreuse peut-être? Ça a l'air d'être une foreuse, ouais. Non, s'il te plaît. Hop. Oh mais, il est bête. Bon voilà, au moins c'est fait. Ok, notre foreuse qui nous casse le chemin. Ah, bah ça fonctionne pas. Ok, on continue avec Thor. Bam. Comme dirait mon ami Kira, tout cassé. Tout cassé. Tout cassé. Que je salue évidemment si elle passe par là. Allez. Hop. Évidemment. La tranchée. Hop, si on ne veut pas se faire trancher. Aïe! Mais non! Mais j'avais appuyé sur B. Oh, je vous jure. Ok, non mais va pas dans... Oh, il est bête. Il est stupide. Mais il est stupide! Ok. Et la petite ici, comme ça c'est fait. Tac. Et tac, très bien. Allez, on peut casser ça, vas-y Thor. Bam. Allez, plus fort là, vas-y, mets-y du tien. Aïe! Pas la tête. Encore. Voilà. Et ça nous construit un petit activateur de bouclier pour Captain. Encore une fois, on retrouve cette mécanique qu'on avait dans le jeu précédent. Qu'est-ce que ça fait? Ça désactive la tourelle? Enfin, les portes laser là, peut-être. En effet. Ah non, on a un bon gros tank juste derrière, qui va bien nous massacrer la gueule. On y va avec Captain, qui peut repousser les missiles. Tac, ok. Allez, vas-y Thor, viens par là mon pote. Et bam, scène iconique d'Avengers 1 et d'Avengers 2 aussi, évidemment. Ok. Et peut-être des autres Avengers, mais je m'en souviens plus vraiment. Très bien, allez, on peut continuer. Monsieur, la ville essuie des tigres. On connaît Strucker, il se moque pas mal de faire des victimes civiles. Envoie la Iron Legion. Ce secteur est dangereux. Veuillez reculer. Nous venons vous aider. Veuillez reculer. Nous venons vous aider. Qui a lancé l'attaque? Air Strucker, les Avengers sont là. Ils veulent le sceptre. Nous ne céderons pas. Les Américains ont envoyé leurs monstres de foire nous tester. Nous les renverrons dans des sacs. Pas de reddition. Pas de reddition. Il faut que je capitule. Si on leur remet les armes, ils seront moins curieux. Mais les jumeaux, ils ne sont pas prêts. Non, non. Je veux dire, les jumeaux. Alors, t'as rien vu venir? Clint! L'optimiser. Un courant d'air. Clint est blessé, les gars. Il va falloir l'évacuer. Je peux ramener Barton dans le jet. Plus tôt on sera parti, mieux ce sera. Vous et Stark récupérez le sceptre. Compris. J'arrive. Stark, vous me recevez? On détecte un grand nombre d'appareils au-dessus de la forteresse. Il faut se débarrasser d'eux pour que le capitaine puisse trouver une entrée. Ok. Donc il faut que je prenne Iron Man.
et que je bute tous les méchants, les méchants qui se baladent autour de la base. Oui. Ben voilà, c'était facile. Ok, maintenant j'ai 3 tourelles à détruire, on va essayer. Tac. Ah mais non, ok, c'est avec Captain que je dois détruire les tourelles. Alors attendez, parce que j'ai cru voir qu'on avait un mini kit à faire. Si on peut essayer de le faire vite fait ensemble, ce serait cool. Je sais pas exactement ce qu'il faut que je détruise, mais il me reste plus qu'un à détruire, donc ça devrait aller. Et voilà, c'est bon, on l'a eu. Et c'était pour un personnage du coup et non un mini kit. C'est déjà très bien. Allez, bouffe. Voilà. Un petit coup de bouclier. Deux petits coups de bouclier. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Merci. Toi, tiens, c'est pareil. Trois petits coups de bouclier. Faut que j'arrête. La petite sauvegarde, vous connaissez la chanson. Tac. C'est important. Hop. Si je plante ou ce genre de truc, ça nous évitera de tout recommencer à partir de zéro. Ok. Allez, pousse-nous ça, Captain. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Hop, et hop. Et voilà, une première tourelle de détruite. Ou presque. Ou presque. Je pensais qu'il allait lancer le missile sur la tourelle directement. Apparemment non. Mais laissez-moi tranquille, vous. C'est terrible. Oh. Ok. Au fait, j'ai oublié de le dire, mais on a eu le True Believer. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Hop. Ok, parfait. Coucou. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la détruire? Ah, juste B. C'est plus facile. Ok. Très bien. Une première de fête, donc. Ensuite, il faut que je tombe là-dedans, apparemment. Allons-y. Aïe, ça va pas la tête. Ici, une échelle. Ok, très bien. Ça m'emmène par où, ensuite, tout ça? Wow. Bon, toi, tiens, tu m'énerves. Voilà. Bah oui, non, mais forcément, Captain, tu vas dans les flammes. Comment veux-tu survivre? Voilà, très bien. Ensuite, l'autre est ici, on l'a détruit. C'est parti. Nickel. Ok. Ensuite, bah, demi-tour, hein. Demi-tour. La dernière va être sur l'autre aile, je suppose. Celle où nous n'avons pas encore été. Par là, on n'a rien? Non, juste des pièces. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours ça de prix. Et ensuite, direction, hop. L'autre aile, en passant par là, en cassant ces petits trucs. Tiens, tu m'énerves, merci. Ok. Ah yes, c'est pour que j'escalade. Nickel. Alors, allons-y. Dès que cette cinématique sera finie. J'aurais trouvé mon chemin, vous savez. Vous n'étiez pas obligé de m'indiquer exactement là où il fallait que j'aille. Toi, tiens, voilà, merci. Allez, on y va, on avance. Tac. Tac. Et hop. Ok, nickel. Ben, je peux aller là-haut? Apparemment non, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas mon but. Ce n'est pas là où je dois me rendre. Allez, la dernière tourelle est juste ici. On y va. Tac, la petite pièce avant, encore une fois. Les petites flammes ici, voilà. Oh, bah ça va sauver Stanley en plus, je crois. Si on peut le sauver dès le premier épisode. Sans avoir besoin de faire le jeu libre. On va pas passer à côté, quand même. C'est offert, ça, sur un plateau. Eh oui! La vie est belle! Mais non, c'est moi qui suis là pour vous servir, monsieur Lee. Évidemment. Qu'on salue s'il nous regarde de là-haut. Bien évidemment. Allez, on détruit la dernière tourelle. Et tac, très bien. Ok, entrons dans le bâtiment maintenant. Mode sentinelle. Les gars, j'ai Strucker. Ouais, et j'ai beaucoup mieux.
Je vois la récompense. Rien, on les laisse le prendre. Ok, bah voilà, premier niveau de terminé. Radié, ça fait plaisir. On a le True Believer normalement, hein, si tout se passe bien. Si on ne m'a pas volé d'argent en chemin. 111 000, ok, nickel. Donc ça suffit à faire le True Believer. On a eu le Stanley, on a eu deux mini-kits. Non, un mini-kit et un personnage, mine de rien. C'est pas dégueulasse. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus de personnages que dans Lego Marvel Super Heroes. Ça fait extrêmement zizir hein, d'avoir autant de personnages. On en débloque déjà certains grâce à cette mission. Évidemment, il faut bien... Et on en aura beaucoup d'autres à débloquer. On a également eu... Ça doit être Mister Négative, hein. Je pense qu'on a déverrouillé le personnage. Je sais pas trop. Ah non, c'est Captain Universe. Ok, très bien. Eh bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai le Stanley... J'ai une apparition de plus. Je vais l'ajouter sur ma liste en rentrant. Et donc, le Stanley en danger. Très bien, bah ça fait plaisir. Un bon premier petit épisode, hein. J'ai vraiment hâte qu'on fasse ce jeu ensemble. Oh bon sang qu'on va s'amuser. Précédemment... Le Tesseract s'est éveillé. Il est dans un petit monde. Un monde humain. Ils veulent le contrôler. Mais notre allié en connaît le mystère mieux qu'aucun d'eux. Il est prêt à donner l'assaut. Et nos troupes, nos Chitauri, le suivront. Le monde sera à lui. L'univers sera à vous. Et les humains seront réduits en cendres. À tout le personnel, l'ordre d'évacuation est confirmé. De Coulson, monsieur. Directeur Fury, agent Hill, vous êtes là? Je peux avoir un coup de main, on m'a enfermé pendant l'évacuation. Bon sang, Coulson. Désolé, monsieur, on dirait qu'on a du pain sur la planche. Très bien, on a du pain sur la planche, mais ce sera pour le prochain épisode, évidemment. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça fait plaisir d'avoir ces personnages... un petit peu mieux... modélisés, plus fidèles au film. Ça fait... vraiment plaisir, j'imagine que vous l'avez remarqué, il y a également un nouveau moteur graphique hein, pour les jeux Lego entre les deux jeux. Et ça c'est vraiment très plaisant, un nouvel HUD qui a été un petit peu plus travaillé, etc. Vraiment ce jeu c'est Lego Marvel Super Heroes, sauf que c'est l'histoire des films et que tout est mieux. Voilà, on pouvait pas résumer plus simplement Lego Marvel Avengers. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, du coup comme vous avez pu le constater également... Au final, on fera bel et bien Avengers 1 en premier. On a juste fait une mission du 2 pour commencer le jeu, pour mettre l'eau à la bouche. Et on fera Avengers 1 avant Avengers 2, heureusement. Mais, comme je l'ai dit, ce sera pour les prochains épisodes. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que ce Let's Play va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos et à liker cette vidéo. C'est ce qui m'aide le plus à avancer sur YouTube.
et qui m'aide au référencement, évidemment. Vous pouvez aussi la commenter et la partager, ça m'aide beaucoup. Aussi, pour ceux qui souhaiteraient être tenus au courant de toute l'actualité me concernant moi et la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, mais aussi à rejoindre mon serveur Discord où, en plus d'être tenu au courant de toute l'actualité en avance, vous pourrez échanger avec ma communauté et pourquoi pas, de temps à autre, participer à un ou deux événements communautaires. Voilà, ça fait toujours zizir. Pour ceux qui souhaiteraient me soutenir d'une manière financière, il y a plusieurs moyens de le faire. Tout d'abord en me faisant un don par mon lien PayPal, mais aussi en passant sur le Kazoo Shop et en utilisant le lien d'affiliation Instant Gaming. Voilà tout. En attendant les amis, d'ici le prochain épisode, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, d'ici là, soyez vengeurs, soyez un Avengers, et à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos. Bisous.